Un mot de votre famille politique, les Républicains. Oui. Elle est en mauvais état, ma mauvais famille état, politique. Effectivement, qui quand même avec un score législatif moins terrible que ce qui était escompté. Oui, entre enfin. Les deux tours. Oui, oui. Mais bon. Néanmoins, avec une famille totalement fracturée entre vous ceux avez qui raison. Veulent être constructifs par rapport à Emmanuel Macron et ceux qui veulent s'opposer. Où est-ce que vous situez-vous? Moi, où je me situe, je me situe en désaccord fondamental avec ce qu'on appelle la droite dure, qui a parfois quelques convergences avec le Front National. Je suis pour, au contraire, une ligne, je suis pour une ligne plus modérée. Dans ce, là où je me situe. Laurent Wauquiez a des accointances avec l'extrême droite. Non, mais je dis que... Non, je ne l'accuse pas de ça. Je dis simplement que la ligne qui consiste à avoir une position politique qui souvent converge avec les positions du Front National, ça n'est pas la mienne. D'accord. Donc vous êtes plutôt constructif. Vous êtes plutôt pour qu'Emmanuel Macron réussisse. Constructif, là non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous m'excuserez, parce que j'ai toujours connu... dans les oppositions, des parlementaires qui votaient pour les textes de la majorité s'il leur paraissait bon. Et donc, le vote dans l'intérêt du pays, quand des choses arrivent, par exemple, regardez, tous les textes sur l'état d'urgence ont été votés par la majorité comme pour l'opposition. Donc, tout le monde est constructif. Est-ce qu'il faut exclure du parti ceux qui voteront la confiance au gouvernement? Non, il ne faut pas exclure, je ne crois pas, non. Est-ce que le Parti Les Républicains va exploser? Il peut. Il peut exploser si il ne décide pas de prendre les moyens de sa reconstruction. Il faut dire qu'il a considérablement déçu parce que on a souvent attendu de lui des réformes importantes qui n'ont pas eu lieu. On a attendu de lui aussi un discours politique qui pouvait apparaître dans les élections présidentielles et puis qui s'est délité totalement à l'occasion de la candidature de François Fillon et de la suite, surtout, parce que le discours était inaudible. C'était sa faute, son immense faute à François Fillon, selon vous ? Non, il a été victime des circonstances, mais je ne lui jette pas la pierre. Mais peut-être il aurait pu prendre, lui, à un moment où les choses étaient vraiment critiques, la décision de se retirer pour sauver son camp.